Là, nous devons local Sax qui lui-même est tombé et après tremblement de pendant tremblement de terre. Et heureusement, nous n'avons pas de victimes. Moi-même, j'étais là, dans le bureau, ensemble avec quelques collègues. J'étais dans l'étage qui est en l'air. Et puis, l'étage a tombé avec nous. Mais moi, j'ai réussi à passer par un trou, et ainsi que l'autre collègue. Qui jouent de trous, ils ont passé pour être capable de sortir en bas des combien. Là, nous avons un studio, studio production, qui est dans la fenêtre là. Et puis, sous côté studio production, nous avons un centre de documentation et qui gagne tout livre sur document, sur communication populaire, éducation populaire et tout ça. Et dans le même étage, ça, nous avons deux dépôts équipements. Et c'est des équipements neufs que nous devons distribuer par radio. Parce que nous avons organisé un concours pour Radio Communautaire. Et côté, nous avons trois studios digitales avec ordinateur, et console, et micro, tout ça. Tout ça, ils ont perdu dans des combios là. Et ça, c'est l'entrée principale du bureau. Et là, si vous regardez bien, pas de moyen même pour mon entrée là-dedans, parce que l'étage là plongé net. Et là, nous avons un véhicule de service pour l'administration. Et qui est là, qui est parqué. Donc, c'est perdu. Dans le pays d'Haïti, qui est un pays à culture orale. Donc, communication est important parce que nous écoutons la radio en pile. Et il y a en pile enquête qui menait, qui montrait au moins 80% de familles en Haïti ont un récepteur radio. Et donc, nous écoutons la radio en pile. Et avec problème d'analphabétisme, radio, éducation dans la radio a un gros rôle et les jouer pour permettre de développer comme monde.